Alors, Jean-Claude Huon, responsable du département formation et sensibilisation à Action de Carême. J'aimerais raconter une petite histoire. C'était avec des confirmants, un camp de confirmants à Saint-Cercle, donc dans les Hauts-du-Jura. Nous sommes montés avec l'hôte de campagne, Parani, là-haut sous la neige. Il faisait brouillard, la neige. Et il y avait 70-80 jeunes, donc de 9e année d'école, donc des enfants, des jeunes de 14-15 ans. Et on a passé tout l'après-midi avec eux. Et je trouvais que c'était une excellente idée de mettre ensemble, de profiter de ce camp pour faire venir quelqu'un de la campagne œcuménique, l'hôte de campagne et quelqu'un pour le prochain d'Action de Carême, de manière à pouvoir non seulement raconter quelque chose autour du Madagascar, parce que là, Parani a réussi à capter l'attention pendant 20 minutes de ces 70 jeunes, c'était assez intéressant de voir. Mais c'est aussi l'occasion de parler, nous, de notre foi, de notre engagement comme chrétien et comme chrétienne face à des jeunes et d'avoir un échange avec des jeunes sur ça. Et je pense que là, il y a des occasions autour de ces camps de confirmement qui peut-être à utiliser à l'avenir plus largement, que ce soit du côté protestant ou du côté catholique.